Yo les gars, c'est Saxi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme j'avais annoncé sur Twitter, on va faire la vidéo du Maître Prestige, voilà, du Maître Prestige. Ouais, je sais pas à quoi je pensais, mais bref. Donc le Maître Prestige, donc oui, je le suis déjà. Donc pour cette vidéo, il y aura pas grand chose à dire, donc je vais surtout vous parler qu'est-ce qu'il y a de plus, vous montrer un peu mes stats, qui sont pas fameux du tout. Et je vais faire une petite vidéo MME vite fait, je vais pas faire sur Nuketown ou quoi parce que le double XP c'est n'importe quoi, il y a tous les jeux ma life qui sont sortis donc. Donc ça sert à rien. Donc je vais montrer un peu mes stats, donc on peut voir que voilà là on peut voir ma carte, bon rien de plus banal sans déconner. Donc j'ai plus de 29 000 kills, donc il faut savoir que j'ai fait le Maître Prestige hier, donc en fait quand il y a eu le double XP, bah, c'est pile au moment... où j'ai passé le même prestige, c'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de profiter, ça m'a servi à rien quoi. Mais bon, tant pis, on va pas se plaindre. Donc, on va à la caserne et je vais vous montrer un peu mes stats qui sont bidons. Donc hop, carrière, donc on peut voir que j'ai joué 7 jours, 7 jours de jeu, c'est pas mal, c'est même beaucoup. Donc mon ratio est de 0,85, hein. je joue au sniper, de temps en temps je joue à la mitraillette, y a pas que moi qui joue sur le compte comme je disais. Et puis de toute façon, je suis mauvais, j'assume, hein. Je fais pas non plus des scores de malade. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer avec les armes avec lesquelles j'ai pu jouer, donc c'est le DSR50, 12529 frags, ce qui est pas mal, un ratio de 0,82, précision de 43, c'est bof bof. Après il y a le XPR que j'aime beaucoup, c'est un très bon sniper aussi, donc après la PDW bien sûr, hein. C'est un peu obligé quand tu rages, tu joues quoi. Bon, le balista, pas trop accroché. Bon, après le B23R, normal, le SVU. Bon. Après, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oh, un spécial niveau mondial, je suis classé dans les 4668e, ce qui est pas mal. Ça fait quand même un bon classement, je trouve. Donc, je vais lancer le jeu tout en vous parlant un peu de ce Black Ops, de ce que je pense qui est bien, ce que je pense qui n'est pas bien, tout ça. Donc déjà, j'aime pas cette map, mais bon, on va y jouer, c'est pas grave, Melton. Donc déjà, moi, ce jeu, je l'ai vraiment kiffé. De toute façon, j'aurais pas été Maître Prestige, ni niveau... Maître Prestige, oui, qu'est-ce que je dis, si je l'avais pas kiffé, de toute façon. Il est bien, mais il y a quand même quelques trucs qui sont pas top, franchement. Donc bon. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a déplu un peu, qu'est-ce que j'ai aimé, tout ça. Donc déjà, moi ce que j'ai bien kiffé dans ce jeu, c'est que ça change. Franchement, waouh. Quand on voit déjà le Black Ops 1, on était tous déçus, on était en mode ah non, putain, fait chier quoi. Et moi c'est vrai que Black Ops 2 au début, j'étais un peu refroidi quoi. J'étais un peu en mode ah, il va pas me plaire ce jeu, c'est sûr. Mais au final, oh là là, il m'a plu, quelques nouveautés, rien que les classes, les killstreaks qui changent. Franchement, agréablement surpris quoi. Franchement, c'est vraiment bueno quoi. Ah, on l'a vu lui. Donc, moi ce que j'aimerais dire par contre sur ce jeu qui me déplaît et que j'ai parlé avec quelques youtubeurs, c'est la guerre terrestre. Je joue qu'en ça pratiquement. Et il y en a deux potables. Honnêtement, entre nous, il y en a que deux potables et c'est pitoyable quoi, t'as Raid et Overflow. Je veux dire, bon, après t'as Melton, bon, t'as quoi encore? Et t'as, merde, comment c'est? Turbine, voilà. Turbine, mais bon, entre nous, qui joue dessus? Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais bon, donc ça c'est vraiment un truc qui m'a déplu moi. Par rapport à la guerre terrestre, c'est franchement, ça m'a déçu honnêtement, parce que je joue qu'à ça. Bon, du coup t'es obligé d'aller un peu en domi, faire d'autres maps. J'ai pas géré. Et donc voilà, bref, c'est vrai que c'est un peu dur en parler en face live. Ouais. Attendez, je galère, je me concentre un peu là. Putain, je me suis foiré. Bref, je vais vous parler aussi de vite fait 2-3 petits trucs. Donc déjà, je vais sortir mon premier montage épisode, on va dire, sur Black Ops 2. Donc récemment, prochainement plutôt.
Donc ça, il y aura des clips vraiment pas mal, franchement je suis très fier de moi. Et en plus certains m'ont demandé où était mon recrutement de la challenge de la OB, parce que je l'avais dit sur Twitter et sur une vidéo, je crois que je l'avais dit que je le faisais. Et ouais, et certains m'ont dit ouais, tu l'as mis où, tu l'as mis où, et en fait je suis mauvais. Ouais, je suis mauvais en fait. Et donc en fait je l'ai mis tout simplement en non répertorié pour pas vous cacher un peu les clips que j'avais fait, tout ça pour un épisode vraiment bueno. Donc ça sera édité par un pote à moi, c'est Sinaspi qui va me l'éditer. Donc édite old school, hein, comme je les aime. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Donc il y a quand même quelques bons clips. Du coup, je vais aussi vous faire l'épisode. Oh là là, il y avait un clip. Aussi des épisodes Funny and Fail maintenant, comme je vous ai dit, donc je les ai édités moi-même. Il n'y aura rien vraiment à éditer. Mais bon, ça fait déjà un petit truc. Donc, bon. Je me suis dit, je vais faire ça, donc j'espère que ça plaira. Ensuite, des petits épisodes leftover, mais des leftovers vraiment pas mal, honnêtement. J'ai vraiment des très très bons leftovers, sans déconner. Bon, parce qu'il y a des clips que je garde pas, genre le XPR. Oula, j'ai oublié de tirer. Le XPR, des fois, ça vous arrive aussi, je pense, vous mitraillez un peu trop, vous êtes là, ah merde et tout, j'aurais pas dû mitrailler. Et au final, on se fait bien avoir, quoi. Donc, du coup, je le garde pas, ce genre de clip. Donc, ça vous fera des épisodes leftover. Bueno, ça sera pas comme tout le monde, c'est-à-dire des trucs broc tout le temps. C'est vrai que c'est mieux de voir des bons petits clips sympas, quoi. C'est toujours beau à voir, quoi. Parce que c'est vrai que voir tout le temps des leftovers juste avec des. Ah! Des quatuors de rock, même moi, ça m'énerve. Donc, je pense que vous aussi, ça vous énerve. Donc je me suis dit on va changer un peu ça et on va faire un truc classe. Donc là je me démerde franchement pas trop mal je trouve pour un petit live. Suffit que je dis ça de toute façon pour faire de la merde hein. Hop. C'est pas grave, je l'ai mis mon gardien. Donc pourquoi je mets le gardien tout simplement là? Parce que je l'avais mis pris pour Nuketown parce qu'il me gave en ce moment Nuketown. Il faut le dire hein, sur le double XP c'est du spoon trap. Et franchement c'est vraiment énervant quoi donc même si je le fais. Et c'est vrai que c'est saoulant, donc du coup je me gardais des fois pour les ralentir un peu parce que franchement il y a certains moments quoi où ça saoule vraiment. Donc voilà. Hop. Donc hop. Attendez, je me concentre un peu. Je fais du combien? 27-15. Oh. Oh, vous voyez. Je suis content là. Donc bref, donc après je vous explique un peu vite fait le maître prestige. Donc comment on débloque ce maître prestige, pardon. Mais c'est tout simple, vous arrivez au prestige 10, niveau 55, et en fait après, regardez, quand on appuie sur start là, il n'y a plus la barre d'XP en bas. Tu sais, normalement vous avez tant d'XP pour être prestige machin, tant de points pour être machin, enfin, plein de trucs. Ouh là là. Et il se trouve que au prestige 10 niveau 55, tu l'as plus ça hein, en fait. Donc en fait c'est un peu... faut attendre, faut faire quelques games. Oulala, faut faire quelques games et en fait tu vas XP tout seul et à un moment un message va s'afficher en disant vous avez atteint le niveau maximum, maître prestige, vous appuyez sur OK et c'est bon, vous l'êtes directement, vous avez pas de niveau. Regardez, comme vous voyez j'ai pas de niveau moi. Et donc voilà. Et après ça change rien de spécial, hein, c'est juste que c'est un niveau maximum, c'est une sorte de prestige 11 et voilà, rien de plus. Mais donc voilà, écoutez, étonné de moi là, sans déconner, de cette game. Franchement, je suis un peu sur le cul là. Là, c'est vrai que je fais jamais des scores comme ça quoi. Bon, mais bon, là, c'est du match à mort en même temps. Bah écoutez, moi je vous dis à. Nouveau contenu. Vous voyez, en fait, ça vous fait un message comme ça en disant vous êtes maître prestige. Nouveau contenu, donc je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Bon, rien de spécial. Bref. D'ailleurs, n'appuyez jamais sur ce bouton. Je précise vite, nouveau départ, ça vous remet tout ça à zéro. Je préfère vous le dire parce que j'ai failli faire la couille. Donc bref, écoutez, moi je vous dis à très prochainement pour le clip de la semaine justement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu un peu, un temps de bilan et vous explique un peu le maître prestige, qu'est-ce que c'est, comment on l'a. Et donc voilà, c'est tout. Allez les gars, moi je vous dis à la prochaine et ciao.